Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 13 août. Alors, je ne vais pas vous parler de la cérémonie de clôture des JO. Bon, j'ai envie de dire que on a tous et toutes compris que l'espèce de personnage avec des cornes là, et qui était complètement doré et qui descendait du ciel, eh bien, non, ce n'était pas le Père Noël, non, non, mais c'était Lucifer, voilà, Lucifer qui venait prendre possession de la Terre. Bon, bah, écoutez, donc ça ne nécessite pas d'analyse supplémentaire, hein. Là, je pense que c'était facile à comprendre pour tout le monde, même ceux qui sont quand même un peu lents du cerveau. On a tous remarqué que, bon, bah, voilà, le message était passé. Et puis, ce fameux voyageur doré, là, ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé, eh bien, était accueilli par des gens. Alors moi, j'ai remarqué que les gens, ils étaient courbés, donc signe de soumission, et ils portaient un masque. Alors vous savez que le masque, alors je ne sais pas si vous le savez ça, c'est un prêtre qui me l'avait dit, eh bien, c'est signe de soumission au diable. Voilà, c'est pour ça que c'était tellement important de le porter il y a quelques années. Voilà, je vous dis ça comme ça. Bref, dans cette cérémonie donc de clôture, eh bien, les espèces d'hommes là, en blanc, alors tous vêtus pareil, étaient masqués et encore une fois, étaient en fait courbés. Bon, ben, on a compris, hein, on a compris. Bien, donc pas la peine d'aller davantage épiloguer sur le sujet. On va plutôt regarder un peu ce que Voldemort nous prépare sur la rentrée. Enfin, la rentrée, là, maintenant, quoi. Mois de septembre, c'est bientôt, hein. Ben, nous, de toute façon, on est déjà en automne, alors, comme ça. Alors, Voldemort, Caligula, enfin, vous avez compris. Donc, je vais prendre mon oracle. Et puis, éventuellement, on verra avec le jeu de haut. Ok, alors, qu'est-ce qui nous prépare pour la rentrée? Quels sont ses plans? Voilà. Parce que lui, il nous prépare toujours un truc, hein. Bon, on va pas parler non plus d'Israël, hein, je sais que ça chauffe. J'attends des trucs pour septembre, hein, franchement. Hein. Août, bon, moi, ça sortait pas dans les cartes. J'ai envie de dire que septembre, j'avais dit septembre-octobre. Hein, c'est là, il va y avoir un truc. Mais bon, on va déjà regarder du côté national. Alors, qu'est-ce qu'il a préparé? Bon, alors là, il y a un échec de quelque chose. Alors là, il y a un échec, je pense, de faire l'union. Voilà, ça ressemble à tous les partis, là. Voilà. De faire l'union et de trouver une espèce d'accord au niveau du Premier ministre pour mettre tout le monde d'accord, justement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Bah ouais, les animaux, c'est une communauté aussi. Hein. Bien. Alors. Donc, il doit être un peu embêté pour le Premier ministre, là, je pense. Regardez. Qu'est-ce qu'il va nous faire sur la rentrée? On va voir un peu les influences. Voilà. Ok. Alors. Les écuries d'Augias. Ça, ben, ça commence bien. Bon, alors lui au milieu. Bon, il y a des mesures qu'il va prendre, effectivement. Là, il va se mettre vraiment à pied d'œuvre. Bon, alors, on va pas s'attendre non plus à ce qu'elle mette en place des choses qui fonctionnent. Hein, d'accord. Ah, il va y avoir une prise de conscience. Il y a quelque chose au niveau du numérique. Tiens, une prise de conscience. Mais ça peut être les gens qui vont comprendre ou découvrir quelque chose avec étonnement. Bon, alors en tout cas, lui, il pense vraiment à mettre en place des mesures techniques, donc très concrètes. Les écuries d'Augias, ici. Regardez. Alors, il y a du numérique quand même, hein, parce qu'il y a les ordinateurs là. Puis après, on ira prendre le jeu de haut. Alors, les écuries d'Augias du passé. Bon, d'accord. Bon, bah là, il y a vraiment des trucs qu'on ne nous dit pas. Hein. Vous voyez, il y a de. Bah, vous connaissez les écuries d'Augias. Hein. Donc, il a laissé, comment dirais-je, enfin, un gros tas de. Voilà. Accumulé sur toutes les dernières années. Hein. Bon, alors. Ici, il y a des gens qui s'en vont. Hein. Ouais, il y a des gens qui s'en vont. Là, il y a quelque chose qui va être mis en place, qui va être construit. Bon, bah, il y a le numérique. Hein. Alors, prendre soin de. Des mesures pour prendre soin. Bah, ça ne lui ressemble pas, ça. De prendre soin de quoi?
Ah, de la planète. Bon, d'accord. Oui, alors ça, je comprends. Alors, prendre soin de la planète, évidemment, entre guillemets, hein, ne venez pas encore m'injurier dans les commentaires. Franchement, je sens que je vais soumettre les commentaires à modération. C'est pas ce que je crois moi, c'est ce qu'il croit lui, ou en tout cas, c'est ce qu'il va faire lui. Il va prendre des mesures pour, entre guillemets, sauver la planète. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça veut dire que bah, ça va certainement passer par des restrictions comme d'habitude. Ok, alors je vais quand même remettre encore une carte sur les écuries d'Ogias. Attendez, bougez pas. Bon, là, les gens, ils en ont marre. Hein. Il y a une espèce de lassitude par rapport à l'inertie de l'administration ou le poids de l'administration. Là, moi, je vois beaucoup de gens qui s'en vont. Alors, on va remettre encore une carte ici. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, écoutez, oui, moi, j'y peux rien. Hein. L'Antéchrist, il est sorti. Je vois pas pourquoi, d'ailleurs. En toute franchise. Ouais, ils vont plancher sur le sujet, là. Bon, il va prendre des mesures pour nous enquiquiner au niveau du carbone. Voilà, dit comme ça, c'est peut-être plus clair. Alors, le carbone, la nourriture, enfin bref, la pollution, voilà. Il va nous enquiquiner parce que ça fait partie du plan. Hein, parce que c'est pour nous coincer hein, avec des mesures, vous savez, les rénovations énergétiques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors là, il y a une recherche de sécurité. Il y a des gens qui partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en France. Et justement, ils veulent aller se mettre dans un endroit sécure, comme on dit, du fait de l'inertie aussi, alors de l'administration, de la justice. Hein. Alors, pourquoi j'ai l'Antéchrist qui est sorti là? Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ouais, ben en fait, c'est une mesure radicale, effectivement. C'est une mesure radicale. Alors, les écuries d'Augias, ce que je vous ai dit, c'est pas faux, hein. Il est responsable d'avoir laissé toute une. Enfin bref. On va dire plein, plein, plein de problèmes non résolus. Mais sa solution à lui, c'est de faire un reset qui passera par l'Antéchrist. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Surfer sur la vague avec l'informatique. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Bon, il y a des questions d'alimentation. Bon, il y a un truc qui arrive au niveau du numérique en relation avec l'alimentation. Ok. Ah oui, ouais, ils vont bien nous vendre ça. Bon, bah moi, j'y verrai vraiment les histoires de passe carbone, etc. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a quand même la relation avec le numérique, l'alimentation. Surfer sur la vague, ça va être compliqué de s'en dépatouiller, hein. Et alors pourquoi l'Antéchrist, moi, vous savez qu'il est messianique. Je viens de vous parler de la cérémonie de clôture dans laquelle, justement, bah, il y avait qui? Il y avait Lucifer. Alors, oui, on est dans le thème. Hein, voilà. Il attend le signal pour tout déblayer, tout mettre à plat, tout nettoyer, si vous voulez. Hein, tout déblayer le passé. Et évidemment, faire oublier tout ce que lui, il a fait. Toutes les catastrophes, toute la ruine, tout ce qu'il a mis en place et qui, en fait, et tous les scandales passés. Et pour ça, rien de mieux que de faire apparaître celui-là. Il ressort beaucoup ces temps-ci, je trouve. Bon, ok. Donc, gardez en tête les histoires de passe. Voilà. Numérique en relation avec l'alimentation et sauver la planète. Bon, ben ça va se faire. Alors, on va regarder un petit peu différemment maintenant. Alors, bon, alors il y a bien les questions d'alimentation. On demande conseil, oui, bon, d'accord. On demande conseil, ou les remontrances hein, au niveau de l'alimentation. Mais ça, c'est envers les gens, hein. Parce que lui, ça l'empêchera pas de boire du champagne et de manger du caviar et des petits fours, hein. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Superman. Ah, ben d'accord. Oh, ben lui, mais vous savez qu'il est fou dans sa tête, ce gars-là. Hein. Il s'imagine être Superman, voilà. Bon. Alors, de l'orage à prévoir. Je ne sais jamais dans quel sens. Oui, c'est comme ça. Oui. Le soleil. Bon, ben ça peut être une idéologie. Hein. Ah, oui, d'accord. Le médical qui arrive également. Alors, ben oui, ça, c'est la deuxième chose. Hein. C'est la deuxième chose à laquelle il pense. Il ne va pas nous laisser tranquille. Hein. Non, non.
Violence. Bon, alors il y a de la violence quand même qui arrive là, du mauvais temps, de la violence. Ici, fermeté. Oui. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Partagé. Vous voyez, ça c'est la planète, hein, la planète toute belle, voilà. Avec les arbres qui poussent, les fleurs que l'on protège. Donc à mon avis, c'est bien les histoires de planètes cachées. Bon, alors, sous les histoires de vouloir sauver la planète, il y a d'autres choses qui se cachent, évidemment. Le pardon. Alors là, par contre, le pardon. Ça m'étonnerait qu'il nous demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc on va aller explorer davantage. On va quand même mettre une carte sur la violence. Ça peut être évidemment le réchauffement climatique. Hein, okay? Donc agir avec fermeté. Bon, bah il y a des grèves qui s'amènent pour la rentrée là. Ça va être violent. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici. Bon, ça non. Ça, c'est plutôt les gens qui soutiennent justement les actions pour défendre la planète ici. Mais là, moi, j'ai de la violence. Alors là, on a une amélioration. Pourquoi est-ce que j'ai la santé ici? Attendez. Et puis pourquoi j'ai des grèves de la violence? Stupide, oui. Merveilleux. Oui, d'accord. Ben c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Éliminer. Moi, j'ai envie de dire plutôt, c'est pas le pardon, c'est éliminer le pardon. Hein. C'est plutôt l'absence de pardon. Hein. Y a quelque chose ici. Ou alors éliminer une maladie. Y a un truc. Hein. On va remettre encore. Mais il y a quelque chose de sanitaire. Alors, de la violence et des choses stupides. Il y a un truc aussi qui. Puis on ira regarder après pourquoi j'ai caché. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Le clown. Ah, celui que j'aime bien. Oups. Le clown et la dame, voilà. Le passe. Ah, bah oui, le passe. Bah oui, une passe, le passe. Moi, j'analyse la carte comme ça. Hein. Une dame qui fait des passes. Donc, oui, le passe. Le clown. Bon, bah, c'est parce que les gens, ils vont pas être d'accord, à mon avis. S'il nous remet les histoires de passes, eh bien, ça va pas bien se passer, là. Ouais, ça peut être ça. Hein. Et puis, le masque aussi. Oui, évidemment. Le masque et le passe. Bon. Donc, bah non. Les gens, ils en ont marre d'être pris pour des imbéciles. Hein. Voilà. Ils ne veulent plus être stupides. Et là, les gens vont refuser quand même. Bon, bah ça, c'est bien. Alors, pardon. On va quand même remettre une carte ici. Oh, bah ça ne nous arrange pas beaucoup, ça. Et là. Ah, bah tiens, la maladie. Ah, la maladie. Alors, des gens qui sont malades. C'est-à-dire. On va quand même mettre une carte ici. Moi, je pense que c'est. Ouais, esclave. On est esclave d'un certain agenda, pourquoi pas au niveau des planètes. Oui, ça peut être ça. Hein. Bah, ça, vous voyez pas. Voilà. Et là, ah tiens, comme c'est curieux. Bon, bah là, on a toute la clique des pédalos, hein, des LGBT, qui sont derrière aussi. D'ailleurs, j'ai arc-en-ciel ici. Hein. Alors, attendez. Ouais, ces gens-là, en fait, ce sont eux qui sont au pouvoir. Hein. Bah, on le voit bien quand même avec toute l'idéologie WOKE, etc. Tout ce qu'ils font avec les enfants, etc. etc. Ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, qui veulent absolument rendre les gens malades, hein. Éliminer. Vous avez quand même éliminé. Hein. Ce qui serait bien sûr une bonne chose pour la planète, n'est-ce pas? Nous sommes comment dire, des nuisibles, nous. Voilà, il faut nous éliminer. Et j'ai quand même deux fois les questions médicales qui ressortent. Donc il est possible qu'il y ait tout un discours en disant, alors d'une part, sauver la planète, donc nous remettre le passe avec le masque ici, mais il y a aussi autre chose. Alors le masque, ce serait quand même plus en relation avec l'histoire de maladie. Il y a deux choses, hein. Il y a le passe pour les histoires de planète, et il y a aussi le masque ici, alors bienveillant, ou en tout cas dans une attitude bienveillante, n'est-ce pas? C'est toujours pour nous aider, pour nous rendre aussi esclaves de leur plan, là, qui est inscrit dans les étoiles, et
pour contrer une maladie qui arrive ici. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a des trucs sanitaires qui vont être mis en place pour nous éliminer. On peut remettre encore une classe. Une classe. On peut remettre encore une carte, mais à mon avis, il y a quelque chose au niveau là. Ouais. Ouais, ben voilà, ça va être le départ pour nous enquiquiner au niveau des maladies. Voilà. Vous voyez, ça va être de nouveau mis en route. Ah, mais ça fait deux fois que j'ai la super main. Attendez, je vais l'enlever, elle était en double. Bon, bah c'est. Alors le serpent, en plus, c'est amusant parce que ça pensait au caducée quand même. Vous savez, il y a un serpent sur le caducée. Bon, c'est une traîtrise, évidemment. Donc on sait de qui ça vient. Qui a le caducée? C'est l'organisation des malfaisants de la santé, là. Bon, bah ça va venir d'eux, tout ça. Hein. Ah, ils veulent nous supprimer. Hein. Ils veulent vraiment le plan de dépop. Voilà. Hein, de dépop. Vous finirez le mot quand même. Angoisse. Bon, ils vont jouer la carte de la peur, ils vont faire peur aux gens. Alors, je ne sais pas quelle maladie, hein, mais il y en a une qui arrive là. Confusion. Bon, ça ne va pas être très clair leur discours quand même. Hein. Alors, soit ils vont jouer sur la confusion, le genre c'est super grave, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ou soit les gens vont être dans la confusion par rapport à un discours justement qui n'est pas clair. En tout cas, il y a deux choses que je vois. Alors, on va mettre maintenant ce qui est le côté, le passe pour sauver la planète et le passe ben, par rapport à des maladies qui arrivent là. Hein. Bon, je voulais remettre une carte sur ce qui nous cache là. Alors. Sinon, c'est pas intéressant. Hein. Sinon, c'est pas ce qui nous cache. Alors, qu'est-ce que tu nous caches, toi? Qu'est-ce que tu nous caches? Des questions de nourriture. Ah, il y a encore des questions de nourriture qui sont en projet là. Ouais. C'est-à-dire devoir. Ouais, devoir changer notre alimentation. Ouais, je pense. Hein, devoir aimer certainement une autre forme d'alimentation. Moi, j'ai les questions d'alimentation. Hein. Donc, ils vont nous faire la totale. Hein. Bon, ok. Alors, bah, écoutez, on va regarder un petit peu comment les gens vont réagir à tout ça. Bon, on a vu déjà qu'il y aurait de la violence, hein, certainement, parce que les gens ne vont pas vouloir bah, recommencer, quoi, comme il y a 3 ans. C'est pas si vieux, hein. Donc, moi, je vais demander, surtout les commerçants, quoi. Il y a déjà plein de commerces qui ferment, donc là, c'est. Je ne sais même pas comment ils ont fait avec les JO d'ailleurs, parce qu'ils ont tous perdu. Hein. Il n'y avait pas suffisamment de touristes. Et puis avec les grilles, hein, les gens ne pouvaient pas aller prendre un café ou quoi que ce soit. Enfin bref. Je dis ce qu'il est. Hein. Ce n'est pas une prise d'opposition ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement que les commerces ont beaucoup souffert avec les JO. Et que si on leur réimpose encore les histoires de passe et tout, alors là, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bon, alors. Est-ce qu'on peut nous dire un peu comment ça va se passer à la rentrée en cas effectivement de rebelote, voilà, de repandémie? Parce qu'il y en a quand même une que je vois arriver, moi. Partout, j'ai quand même la notion de contagion cette fois, ce que je n'avais pas avant, il y a 3-4 ans. Non, il y a 3-4 ans, j'avais la notion de contrainte, de restriction. Je n'ai pas la notion de pandémie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, j'en ai une quand même. J'ai une notion de pandémie avec contagion. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera grave, hein, mais ça veut dire que ça peut être contagieux. On verra bien si je me trompe ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'enlèvement. Tiens, décidément, sort beaucoup cette carte-là. L'espoir de l'enlèvement. Oui, alors, vous me demandez toujours des informations par rapport à cette histoire d'enlèvement. S'il vous plaît, allez regarder la chaîne Plein Feu sur l'heure juste. Vous aurez vraiment toutes les explications. Moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai regardé à peu près toutes les. Ouais, non, peut-être pas toutes les vidéos, faut pas exagérer, mais toutes les vidéos du docteur Pierre Gilbert, oui. Franchement, oui. À 90%, oui. Et j'ai vraiment regardé tout ce qu'il fallait savoir sur la fin des temps, parce que bon, bah moi, je pense qu'on y va quand même. Hein. Je pense qu'on y va. Parce qu'on a touché à la double hélice, comme je vous l'ai déjà dit, et surtout, surtout. On a touché aux enfants. D'ailleurs, je ferai une vidéo, on va dire, très risquée, mais cette fois, je devrais la faire pour les membres, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez, on va dire,
D'assez risqué, oui, je vais le dire. D'accord. Bref, à ne pas mettre, à ne pas faire écouter à tout le monde. Voilà. Donc, on a touché aux enfants, on a touché au génome humain. Donc là, il y a quelque chose qui doit se passer, hein. Et puis, je ne vous dis pas l'état de la planète. Ouais. Donc, l'espoir de l'enlèvement. Donc, allez vous informer, s'il vous plaît. Vous êtes grand, il n'avez pas besoin que je vous tienne par la main. Je vais vous mettre le site et il y a vraiment toutes les explications. Après, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Moi, bon, je vous dis rien, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, c'est pas la peine de venir m'injurier après en disant que ça n'existe pas et nanana. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais j'ai quand même l'espoir de l'enlèvement qui est sorti. Ok? L'enlèvement étant évidemment, encore une fois, l'enlèvement des gens qui ont remis leur espoir dans Jésus, qui doit revenir à la fin des temps, et donc qui devrait être mis bien en sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rentrée? Est-ce que les gens vont accepter les contraintes? Alors, si je ne me suis pas trompée, hein, s'il y a bien effectivement le pass qui arrive, mais enfin, je vous avais dit qu'il y avait le e-wallet quand même, hein, vous savez, le portefeuille numérique, là. Donc, c'est quand même sur les starting blocks, ce truc-là, hein. Alors, est-ce que ça va arriver en septembre ou à la rentrée? Ben, j'ai l'impression qu'il va accélérer, moi. Tout accélère, de toute façon. Allez, on y va. Ah, ben tiens, regarde. Alors là, franchement, Maddy, tu fais fort. Hein. Ouais, je sais. Ah! Non, c'est pas vrai. Je sais, si, j'ai pas fait exprès. Bon, les villes, les capitales. Alors, le printemps 2025, c'est vraiment là que je vois le truc, moi. Oula. Ouais, eh ben, ça va pas bien se passer. Hein. Alors là, j'ai pas la réaction des gens, mais j'ai quand même le projet, là. Mais alors, le projet, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en plus. Bon, je vous ai pas parlé de la puce dans le cerveau, mais enfin, vous remarquerez que ces deux cartes-là, elles sont sorties l'une à côté de l'autre. Hein. Bon, je vais pas vous expliquer davantage. Il y a quand même un truc. Alors, les grandes villes, vous voyez. Le printemps, hein, pour ça, je dis printemps 2025. Et là, il y a un truc, hein. Bon, et les gens dans tout ça, ils vont accepter ça et ça? Parce que on est mal barré s'ils acceptent les gens. Hein. Moi, je ne sais pas comment les prévenir. Hein. Enfin, moi, et, enfin bon, moi. Non, pas moi toute seule. Mais bon, je ne suis pas toute seule. On est quand même assez nombreux, même très nombreux sur YouYou et même ailleurs, pour expliquer un peu ce qui se passe. Et puis on a eu les RKI files dont je vous ai parlé, hein. Sauf que ça sort pas. Voilà. C'est sorti, mais ça sort pas dans les médias mainstream. C'est ce que j'avais dit à mon mari. J'ai dit, mais non, tu verras. Il n'y aura rien. Voilà. Il n'y aura rien. Et voilà, j'ai encore raison. Comme d'habitude, j'en ai marre. Parce que c'est étouffé, 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 hein, les RKI files. Tapez sur Internet si vous voulez en savoir plus. Ça, la vérité, pour moi, ne se fera pas jour. Hein. Sabotage. Ah, alors, dans quel sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va saboter ces deux trucs-là? Ou est-ce que c'est le sabotage de l'humanité? Faudra regarder. Les médias. Tiens, justement, j'étais en train d'en parler. Et là, un contrat, mais il y a une guerre, là. La guerre se rapproche. Hein. Je vous ai donné, à mon sens, la date. Après, je ne suis pas infaillible. Hein. Mais encore une fois, je vous avais dit que 2025, on a toutes les planètes qui vont changer de signe, notamment Saturne qui va rentrer dans le bélier qui est en chute. Donc Saturne en chute, c'est très 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 mauvais. Très 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 mauvais. En plus, vous allez avoir Neptune également en bélier. Alors ça fait deux. Et bon, Jupiter lui change de signe tous les ans. Donc bon, Jupiter, c'est pas lui qui m'inquiète. Mais bon, Uranus va rentrer quand même dans les Gémeaux à un moment donné. Hein. Oui, là ça va faire mal. Hein. Ouais, là ça va faire mal quand même. Hein. On va avoir encore des histoires. Les Gémeaux, bah, c'est tout ce qui est communication. Donc des grands changements certainement dans le numérique. Hein. Donc si en plus on a la guerre par-dessus et puis les histoires de santé. 2025-2026 ne vont pas être bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc les gens qui disent que tout va s'arranger, bah, vous êtes libre de le croire, mais moi, c'est pas ce que je vois. Bon. Alors là, il y a un calcul de sa calcul sabotage. Oui. Calcul pour saboter quelque chose. Ah ben, sabotage et auto-sabotage. Ah, ça, c'est marrant, ça. Alors, ça m'intéresse. Attendez. Il y a un calcul pour saboter. Moi, je pense pour saboter l'humanité, pour prendre contrôle de l'individu via ces deux cartes-là. Mais il y a un auto-sabotage. Donc il va y avoir un truc inattendu qui va leur tomber dessus. Et ça, ce serait bien.
Ah, il y a la disparition de quelqu'un. Ah, mais il y a une déception par contre. Ah, ah. De qui il s'agit là? L'Esprit Saint. Alors ça, c'est la voyance de l'Esprit Saint. Hein. Se mettre au travail. Bon, alors attendez, faut que je réfléchisse. Je pense que je vais aller prendre d'autres cartes pour nous aider un peu. Tiens, on va prendre Saga. J'ai la décision très nette de vouloir saboter l'être humain, voilà, par le biais de ces deux cartes-là. Bon. Mais j'ai un auto-sabotage. Alors, on va demander, qui est-ce qui va s'auto-saboter? Ah ouais, j'ai un truc, hein. Moi j'ai le feu, hein. C'est en préparation, là. Il y a une guerre, hein. Il y a une guerre. Et vous savez, moi, je... Attendez, on va quand même... Après, je vous dirai ce que je pense. Si les cartes... Ah, oui. Si les cartes sont d'accord. Ouais, il y a la guerre. Bah, c'est ça. Moi, je pense que leur histoire... Et c'est drôle parce que je vous l'avais dit dans une vieille vidéo. Je vous avais dit... Peut-être que certains d'entre vous s'en rappelleront. Je vous avais dit, vous allez voir. Ils vont vouloir nous refaire le truc avec ça. Nous remettre contraintes, etc. Mais on va, en fait, on va avoir, pardon, un problème mondial avec la guerre. Et quelque part, ça va couper court. Bon, ben, c'est ce que je vois. C'est pour ça que j'ai un sabotage et finalement, ben, ça va conduire à un auto-sabotage. Donc finalement, ils risquent d'en faire trop, quoi. Et ce qu'ils sont en train de faire, ça va se retourner contre eux. Parce que là, moi, je vois quand même enfin, les militaires, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui va déclencher une guerre. Ouais. Ce qui fait qu'ils ne vont pas arriver à nous... comment dire bah, à nous faire prendre un grand bol de soupe, quoi. Non. Bon, il y a quand même de la violence, ici. Ouais. Ça va être très brutal, hein. Et rapide, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, là. Ok. C'est assez étonnant. Alors, qu'est-ce qui disparaît là? Il y a quelqu'un qui disparaît. Attends, on va pousser ça. Là, il y a quelqu'un qui disparaît et on a une déception. Alors là, justement, on a l'histoire de maladie qui est en danger. Oui, qui est un danger. Qui nous menace, quoi. Bon, pour ça, on est d'accord. Par contre, je vois pas qui est-ce qui... Non. Attendez, je vais en prendre un autre. Il y a quelqu'un qui disparaît et les gens vont être déçus, mais... Oups. Qui c'est qui va disparaître là? Ah, la comète. Oh là! Vous voyez, la comète. Je vous avais dit que la comète, elle avertissait de choses très, très, très violentes. Hein. Puis en plus, il y a les expérimentations, vous voyez? Ben, c'est la destruction, ça. Hein. C'est une guerre. Hein. Il y a vraiment une guerre qui arrive. Hein. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui disparaît là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelqu'un de maléfique, hein? Il y a quelqu'un de maléfique. Mais pourquoi il y a une déception? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Alors, une personne disparaît. Quelle personne maléfique qui disparaît? Vous avez les sorcières. Donc, quelqu'un qui doit s'amuser à tripatouiller un peu l'occulte. Voilà. Mais qui, à mon avis, va avoir les conséquences de ses actes. Par contre, j'ai une déception par rapport à une autre personne qui arrive. Oui, parce que l'autre personne qui arrive, eh bien, voilà, vous avez le dragon. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre, j'ai envie de dire... Ah, je suis en train de m'avancer beaucoup, mais moi, je pense que l'autre fou, là, il va dégager, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Sauf que le quelqu'un d'autre en question... il n'est pas bon parce qu'il est très puissant. Voilà, vous avez quand même le serpent de mer là, l'espèce de dragon. Oui, c'est encore caché pour l'instant. Hein. Voyez, on retrouve encore le dragon là, un roi avec un dragon au-dessus. Bon, ben ça pourrait être notre antéchrist. Hein. Ben oui, ça pourrait être notre antéchrist. Alors, la baguette du sorcier. Oui, quelqu'un qui va trouver des choses, des solutions
Métamorphose, changement. Oui, qui va, à mon avis, au départ en tout cas, apporter des bonnes choses. Voilà. Vous avez quand même des fleurs à côté. Donc c'est un renouveau, un métamorphose renouveau. Et ça va être en fait une espèce d'accalmie. Bah, vous connaissez l'Antéchrist quand même. Au départ, tout est bien. Et puis après, il y a les sacrifices. Hein, voilà. Bon, ben donc moi, je sais pas. Je crois que j'étais quand même assez loin dans le temps. Hein. Enfin, assez loin. D'un autre côté, ça se rapproche. Donc là, c'est les 2-3 ans. Hein. Bien. L'autre, c'est pas l'Antéchrist. Il aimerait bien l'être, mais il ne peut pas l'être. Voilà. Parce que l'Antéchrist va être, comme je vous le disais, il va faire des miracles. Il va apporter une accalmie, il va refaire repartir le commerce, l'économie, etc. Quelqu'un de très intelligent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les prophéties qui nous disent tout ça. Mais à la fin, eh bien, donc 3 années et demie de paix, et puis après 3 années et demie, où là, bah là, faudra plus être là, quoi. C'est là où il y a l'enlèvement qui prend tout son sens, parce que tous ceux qui n'adoreront pas l'Antéchrist seront massacrés. Bah, voilà, hein. Donc vous connaissez un petit peu ce qui est prévu au niveau de l'Antéchrist. Mais enfin, avant d'en arriver là, on a quand même ces histoires de passe. Et je vous avais dit, hein, dans une vieille vidéo, je ne sais plus laquelle, ne cédez pas, ne prenez pas la soupe, tenez bon, parce que on va être sauvé par le gong quelque part. Ah ben, je peux y arriver. On va être sauvé par le gong. Et alors ce sera, et oui, par le biais de la guerre, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quelque chose qui va arriver de ce point de vue-là. Ça fait quand même la deuxième fois que je ressens un petit peu ces histoires-là de guerre qui viennent interrompre un plan pour nous faire prendre la piquette. Bon, je ne vais pas y arriver, je vais laisser. Voilà. Bien, alors je vais faire bah, le tirage que j'avais prévu pour les membres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Ah oui, alors peut-être que vous voulez savoir les histoires de maladie, si c'est grave ou pas. Ouais, tiens, on peut demander quand même. Alors, on va demander. Que j'ai demandé ça, c'est pas évident de. Je reprends quand même mon jeu. Je crois que c'est le plus peut-être apte à répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fameuse pandémie qui arrive? Ouais. Bon, ça va, c'est 32 minutes. Vous avez encore un peu de patience? Oui, oh oui, vous allez rester pour savoir. Allez, bon, vaut mieux prendre ça avec détachement, vous savez. Alors, bien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la prochaine pandémie? Voilà. Faites provision d'huile essentielle. Hein. Il y en a qui sont extrêmement efficaces pour tout ce qui est virus, parce que je pense que ce sera ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 36e dessous. Oh, ils vont bien nous miner le moral avec ça. Hein. Oui, il y a de l'enfumage encore dans ces histoires. Bon. Des choses toxiques, peut-être éventuellement. D'accord. Ok. 36e dessous. Ok. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est grave ou pas? On va demander. Est-ce qu'on peut nous dire sur cette pandémie? D'où ça vient? Alors. Bon, alors là, c'est quand même de la violence ou des meurtres, là. On reprend le contrôle d'une situation. Bon, alors là, quand même, il y a quelque chose de dangereux, là. Ouais, ils vont nous dire que c'est dangereux. En tout cas, y a le sang, quand même, hein. Ça peut être par rapport au sang. Et là, en fait, ça, c'est leur discours, hein. Ils vont nous dire qu'il faut reprendre le contrôle de la situation parce que là, sinon, ça va être trop tard. Bon, ça, c'est leur discours. Ce qui m'embête ici, c'est que j'ai quand même une histoire de sang. On va voir mon petit oracle sur la santé, ce qu'il peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la prochaine pandémie? Pandémie, voilà. Faire attention à ce qu'on dit. Alors. Bon, moi j'ai les poumons. Donc quelque chose de respiratoire apparemment. Bon, faut pas en tirer de trop avec ce jeu-là. Voilà, il m'a donné la carte des poumons. Donc je pense que ce sera quelque chose. On avait la carte du nuage tout à l'heure. Donc quelque chose qui est toxique,
qui peut toucher les poumons. Bah, un peu ce qu'on a eu déjà, hein. Ah, regardez ce qui sort, c'est trop drôle. Bah oui, voilà. Voilà. Une chance sur, je ne sais pas combien de cartes j'ai dans le jeu, je ne me souviens plus. 90 ou un truc comme ça. Bon, donc, alors, est-ce que c'est contagieux? On va quand même poser la question. Moi, j'ai de la chance. Mais d'un autre côté, vous avez le... En fait, on nous dit de ne pas trop nous inquiéter. Par contre, vous avez quand même les trèfles là. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc oui, ça peut, mais c'est pas si grave qu'on va nous le faire croire. Voilà. Moi, j'y vois quand même les. Vous voyez, ça essaime. Hein? Oui, mais c'est pas si grave que. Enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas que ce soit si grave. Après, peut-être que je me plante, hein. Mais j'ai pas l'impression. Vous savez, je crois pas qu'il prendrait le risque de libérer un truc vraiment, vraiment dangereux parce que ça pourrait toujours se retourner contre eux, quoi. Hein. Donc j'ai pas l'impression. Je pense que ça va être un peu le la rebelote, quoi. Alors, on va quand même demander, est-ce que les gens vont reprendre de la soupe? Ouais, les gens, ils vont dans un premier temps, ils vont pas être pas plus inquiets, pas plus inquiets que ça. Non, les gens ne vont pas être plus inquiets que ça. Par contre, moi, j'ai des problèmes de cœur qui arrivent et de criminalité. Ou de les gens qui sont, ce sont des criminels. Oui, c'est ça aussi, hein. Ouais, ils vont nous refaire la même chose. Ils vont nous refaire la même chose avec les commerces. Bon, il faudra écouter la voix de la raison, hein, d'accord? Ils vont refaire la même chose. Mais là, ce qui m'embête, c'est qu'il y a autre chose, là. Y a quelque chose au niveau du cœur, quand même, hein. Et ça, je pense que par contre, c'est les effets seconds de ce truc-là. Je vous le montre, hein, regardez bien. C'est bien le. Voilà. Regardez ce qui est marqué là. En tout petit. Voilà. C'est le corot. Oui. Vous voyez? Ils vont nous le remettre. Hein. Enfin, nous faire la même chose, quoi. Bon, bah, faudra résister, quoi. Écouter la voix de la raison. Hein. Voilà. Bien, bien. Donc, on verra bien. Mais il faut s'attendre à ce qu'ils nous remettent en petit cœur, un petit coup de. Enfin, vous avez compris, quoi. Bien, merci beaucoup de votre patience et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.